vidéo. Donc on se retrouve pour une vidéo présentation de mon casier. Donc du coup bah on va présenter mon casier depuis la saison 1. Voilà. Du coup les gars, sans plus tarder on va commencer à directement aller voir le pass de combat niveau 8, hein, faire saison 8. Donc j'ai déjà au palier 19, niveau 21. J'ai déjà fait top 1. J'ai fini la première semaine de défi. Donc voilà, c'est fini. Donc voilà, première semaine de défi. Il faut juste que j'aille chercher la première étoile. Donc voilà. Sinon, dans les styles, je suis à 27 000 d'XP. Donc ça va. J'ai les premières phases. Dans les premières phases de chacun des personnages là. Du coup, voilà. Du coup, sans plus tarder, on va y aller. On va commencer par les traîner. Alors, entraîner, bah, j'ai Arc-en-Ciel, saison. Je vais dire saison 3. Enfin, je vais pas dire saison à chaque fois, je vais dire 3, 4, machin. Donc, ça, c'est saison 3. Bifton, c'était dans des défis avec le skin blanc. Là. Le faucheur blanc. Ça, saison 3. Je sais plus ça. C'est la saison avant la saison dernière. Ouais, on s'en fout. Cœur, donc traîner cœur, traîner cristaux de glace, flamme, agressif, flamme, fibre optique, étoile, étoile filante, essence spectrale, air système, drapeau volant, flocon de neige, c'est quoi déjà? Foudre, celle-là elle est vraiment nulle, gaz d'échappement. Celle-là elle est pas mal dans un pack PlayStation Plus glitch. Glyph, celle-là j'aime bien. Ça c'est câble électrique, lanterne citrouille, celle-là elle est bien volute. Rune, rétro-futuriste, plante grimpante, peinture à la bombe, papier toilette, outre-mer, luciole, et c'est tout. Donc ma préférée, enfin j'en ai pas vraiment. Mais celle que je mets à chaque fois, je sais plus c'est laquelle. Mais bon, là on va mettre celle-là. Ouais. Non, avec le skin que je mets habituellement, non, celle-là ça va pas passer. Donc on va mettre. Ouais, flamme. Voilà. Donc en planeur maintenant. Non. J'en ai acheté qu'un seul planeur. Donc là, le sauver le monde. Planeur Bambi. Là c'est tout le planeur top 1 là. Là c'est celui de la saison 2. Donc voilà, j'ai tous les planeurs. J'ai tous les planeurs de top 1. Donc voilà, c'est cool. Là ça c'est le nouveau de la saison. La saison 8. Ça c'est celui que j'ai acheté. Le seul que j'ai acheté. Donc voilà. Donc après il y a lui. Il y a lui. Bon les planeurs on va pas trop s'attarder. C'est le nouveau planeur de la saison. Il est assez cool. Planeur à débloquer avec des défis, avec beaucoup de défis. C'était vraiment qu'il y avait les zombies de glace. Ils étaient pas faciles les défis, franchement j'avais failli pas les faire. Les défis je les avais fait en 2 jours. Enfin en une journée ouais. Donc ça va, c'était pas non plus facile mais j'avais galéré quand même. Donc ça c'était planeur gratuit, Saint-Valentin et tout ça, donc voilà. Ça c'est planeur la saison 2, démon disco. Voilà, donc il est super cool, j'utilise tout le temps moi. Après on va passer au camouflage hein. Voilà donc camouflage lui c'était un défi passe de combat avec défi du nouvel an, ça se passe de combat, c'est Saint Valentin. Oui ça c'est défi du Saint Valentin, cher the love, ça c'est un enrobage, je l'ai acheté 300 V-Bucks dans la boutique. Donc voilà, celui-là donc c'était passe de combat, ça c'était soutenir un créateur dans la boutique. Donc moi me soutenez pas parce que j'ai pas de code. Je suis pas assez connu, vous voyez. Ça c'est passe de combat et ça encore passe de combat. Lui il est assez stylé j'avoue. Donc voilà. Hop, ça je vais le refaire après. Donc après ça, j'ai tout ça. Enfin, je les ai tous en gros. Donc voilà. Là j'ai mis celui-là parce que c'est celui de la saison 8, le premier. Donc en musique j'ai ça. À l'abordage, celle de saison 8, la première musique. Après, chair de poule, c'était pendant Halloween. Enfin,
enfin c'était base de combat, je sais plus, base de combat 6 je crois, non, je sais plus, Disco, ça c'est base de combat son 7, voilà, ça c'est festif, donc base de combat saison 7 aussi, le floss, elle est pas mal celle-là. On va l'écouter un petit peu. J'avais bien aimé pendant un moment, je la mettais tout le temps. Et là, il y a le floss. Voilà, un peu remixé. Original remix, ça c'est la musique du tout début du jeu, de la saison 1, qui nous manquait tous. Enfin, personnellement, moi, me manquait. Donc voilà. C'était pas les 95. Non, 94 de la saison 6, je crois, je sais plus. Et là la musique twist que je mets tout le temps, elle est vraiment bien. Donc voilà, on va se la mettre. Après ça, on va pas se les montrer, hein, c'est rien. Maintenant, on va passer aux danses. Ouais, on va passer aux danses. Donc la danse libératrice. Ça c'est la danse. Je sais plus. Ah oui, Groovy. Là c'est le robot. Saison 3, baf. Bah, les masques. Électro Swing, AO, Turbulente, T'as perdu, Sans les mains, Pire pote, vous avez elle. Je me rappelle, c'était la saison 3, la danse que je voulais absolument. Alors, si je l'avais pas, j'étais dégoûté. Et c'était même pour ça que j'avais acheté le pass de combat, parce qu'en fait à la base je joue sur Xbox au tout début du jeu, excusez-moi. Et du coup c'est pour ça que j'avais pas fait de vidéo présentation de mon casier, parce que du coup je voulais attendre, si jamais ça arrivait, d'avoir tous mes trucs rassemblés. Du coup mon pass de combat saison 2, mon premier skin que j'avais acheté, tout ça. Donc voilà. Et du coup bah voilà. J'ai joué sur Xbox et il y avait le pass de combat saison 3. Et du coup j'avais acheté exprès le pass de combat saison 3 juste pour avoir la danse meilleur pote sur mon PS4. Enfin, parce que je savais que j'allais avoir la PS4 plus tard. Du coup bah j'avais anticipé, mais juste pour cette danse là. Et enfin je sais pas, voilà. Du coup bah voilà. Je cours. Haute marade, danse gratuite, de RAL. Clap clap. Coup de pied. Down, danse gratuite. Casse la baraque, une pierre, que j'avais acheté encore sur une fois sur Xbox. Flamenco, rayon flan diablé, ça urge, calcul mental, danse du poignet, esprit funky, esprit mélo, impatience, tu déchires, tagada U, donc de la saison 2. Donc voilà, c'était quand j'étais sur Xbox. Donc voilà, dans super rare, enfin en gros que ceux qui avaient acheté le poste de promotion de popcorn, point du thé du doigt, ondulante, lâcher du micro, et zinzin, et après je vous épargne ça, j'arrête déjà les bandes danse, mais bon c'est pas grave, et après j'ai ça en danse verte, voilà, Shifumi, Clacolin, Pissandier, ouin ouin, Jubilation, oulala, grand déballage, courbette, coucou, dans saison 8, première danse. Consternation, respect, salut, salut militaire, salut royal, visée impuissante. Et danse Barbie, voilà, donc maintenant on va passer aux pioches. Pioche Barbie, pied à coulisses, 500 V-Bucks, pelle à neige 500, glaçon, grand fondeur 500, Zephyr saison 3, spectre 800, après ça on est pas, pied de biche, 7, marteau mélo, impulseuse saison 2, donc c'est la seule pioche que j'ai de la saison 2. Parce que j'avais pas trop avancé, parce que du coup je pouvais pas tout le temps jouer sur Xbox. Donc voilà. H abominable, clé en croix, clinquante, pioche 800 V-Bucks que j'avais acheté, que je kiffe toujours. Pack à 30€. La congélatrice, la pioche DJ Lama, je sais plus, on va épargner. La faucheuse, 800 V-Bucks que j'avais pas acheté à la saison 2, par contre celle-là, je l'avais acheté après. H tranchante, non, H luisante, la pioche ballon, spectre des glaces, donc je l'ai niveau max, hein. C'est rupture, pergélisol, incendiaire, HEV, griffeuse, la nouvelle pioche du
passe de combat saison 8 avec le skin hybride, entailleuse, double fonction, adjuratrice, oui. Et du coup, celle-là, je l'avais achetée en fait sans faire exprès parce que je voulais faire. Je sais plus ce que je voulais faire en fait. Et sans faire exprès, je l'ai achetée. Genre, je sais pas. Je sais plus comment j'ai fait, mais du coup, au final, c'est cool parce que c'est ma première poche réactive. Elle est devenue réactive après que je l'ai acheté, mais du coup voilà, ça s'est réactif avec le bruit. Donc voilà, enfin voilà. La botte fossile et la pioche que j'ai acheté récemment. 15€, ça fait quand même cher, mais bon après elle est cool, masse fluo, c'est voilà. Donc voilà. Donc celle que j'utilise en ce moment, c'est celle-là. Hein. Voilà. Donc les sacs à dos. Donc pas les sangs, machin. Les sacs à dos, je vais vous les défiler juste comme ça parce que. Ça sert à rien, vous allez voir les skins après, comme ça vous spoil pas trop un petit peu. Voilà, voilà, voilà. Hop, donc sans plus tarder, on va passer au skin. J'en ai vraiment beaucoup en fait. Hein. Scorpion, 800 V-Buck, Renegade, Pro de la Jungle, Nocturna, Mercenaire, Guerrière des. Guerrière des Sifflets, Chasseur Polaire, Tirailleur Bleu, passe. Non, Pack. Pack PlayStation Plus, Trog. Donc voilà, j'ai sa phase. Hein. Enfin, ouais, en plus elle était là, j'avais pas vu. Typhon. Donc voilà, Zoé. Saison 2. Mon seul skin de la saison 2. Non, mon seul skin en fait de la saison 2. Mais au moins, j'ai quand même un skin de la saison 2. C'est quand même une fierté. Enfin, c'est une fierté. Non, pas non plus, mais bon, voilà. Ça, c'est un skin que j'avais acheté à la saison 1. Voilà. Donc, mon premier skin. Ça, c'est mon tout premier skin, à part à le skin Bambi. Donc voilà. Libéraux inflexible. Donc je l'avais acheté sans faire exprès, mais bon, au final il est quand même assez stylé. Donc voilà, aperçu des styles. Je l'avais acheté sans faire exprès, je voulais pas acheter lui. Et... Finesse, pas grave. Donc Tesla Plus. Spationaute. Donc là il y a le. Soldat Crane. Sergent Primas. Secrétaire de guerre. On épargne ça, voilà. Hop, donc ça, mince. C'est quel skin déjà? Ah oui, exploratrice lunaire, filière d'estrier, graffeuse, grenouillère. Elle est vraiment stylée comme ça, je trouve. Celui-là, encore une fois. Excusez-moi. Celui-là, encore une fois, j'ai acheté sans faire exprès. Je voulais faire aperçu des styles. Sans faire exprès, j'ai appuyé sur croix. Donc, non, je voulais faire aperçu des styles et j'ai appuyé sur croix. Non. Je voulais faire appuyer sur des styles. Aperçu, pardon. 1, 2. Je voulais faire aperçu des styles en appuyant sur croix et sans faire exprès, j'ai appuyé sur carré. Donc voilà, je l'ai acheté pour rien. Donc 15€ dans le vent, j'avais vraiment le seum. Voilà. Donc ça c'est l'as. Voilà, voilà. On va épargner ça. Pack à 5€. Hop. Roi des glaces. Niveau max. Ah oui, parce que évidemment. Ça c'est Valora. Voleur de cœur glacé. Je sais plus ça, je sais plus les noms des skins là. Donc voilà, Ragnarok. Maintenant ils ont mis un nouveau style sans épaulettes. Là il y a l'épaulette parce qu'elle gênait beaucoup cette épaulette là. Du coup bah là ils l'ont mis sans épaulettes. Du coup c'est assez cool. Pack à 30€, pilote arctique, sauver le monde. Omega, Nomade, Lynx. Ça c'est Lycan. Ça c'est le voyageur. Carburo. Comment dire Sauver le monde encore. Chevaleresse glaciaire. Donc ça c'est le nouveau skin de saison 8. Voilà, je dis que à deux styles. En vrai en rouge comme ça il est pas mal hein, je trouve. Même en bleu il est pas mal aussi. Et après imaginons en bleu avec ça. Genre ça ferait grave stylé. Donc du coup skin corbeau 20€. Je l'avais acheté quand j'étais sur Xbox, donc j'ai les deux skins corbeaux du jeu. Donc voilà. Après il y a le. Comment il s'appelle? Voilà. Exécuteur, le prisonnier. Encore niveau max. Enfin après j'ai des. Avec toutes ces phases. Voilà. Calamité. Ça c'est le cible. Donc agent d'élite que j'adore. Triceratop hein, aussi que j'avais acheté. Et Moufaucheur que j'avais retrouvé. Que j'avais vraiment sur Xbox parce que je l'avais eu, mais pas sur PS4, j'avais fini que pas le 78 je crois sur PS4, du coup bah là je l'ai eu et là il y a mon skin préféré, franchement mon skin enfin je sais pas si c'est parce que je viens de l'avoir, mais franchement
je le surkiffe, même si bon, mon skin préféré de tout le temps c'est celle-là. C'est Agent d'élite et mercenaire, mais bon, voilà, c'est mes skins tryhard un petit peu. Et lui, je sais pas, je l'aime bien vraiment. Donc, du coup, j'ai pas encore développé de phase sur lui, mais franchement, comme ça, il est vraiment trop beau. Et là, imaginons, comme ça, les gars. Ah, c'est dommage, je peux pas vous faire les phases. C'est dommage. Là, comme ça, non, sur téléphone, j'ai changé les couleurs, bien, c'est pas grave. Mais bon, comme ça, en violet, il est vraiment cool. Donc, voilà. Genre mon skin là, donc on va remettre mon ensemble, voilà, avec mon truc de la saison 2, voilà, et voilà. Ah oui, c'est vrai, j'ai plus de danse. On va vous mettre une danse. Du coup les potos, c'était Warzooks, je vous présentais mon casier. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et salut les gens, sur ce, peace.